On la coupera, celle-là. Sur ce plateau, ce soir, Moni El-Khaim, thérapeute de thérapie familiale, donc très habituée à ses conflits, à ses problèmes. Et Samantha et Jean-Christophe. Samantha est la maman de Jean-Christophe, qui ont envie de parler de certains de leurs conflits, de certains de leurs problèmes, et peut-être nous éclairer sur les nôtres. Le Psycho, c'est vraiment... Enfin, c'est mon émission de rêve, parce que je trouve que c'est mieux que la télé-réalité et mieux que la psychanalyse. Et ça réunit les deux. On a quand même affaire, donc dans mon épisode, à une maman et son fils qui n'arrivent plus à communiquer, qui vont sur ce plateau pour essayer de retrouver un lien. Ils écrivent une lettre qu'ils veulent s'adresser à chacun, et c'est des comédiens qui vont jouer leur lettre pour qu'eux s'entendent dire leur vérité, finalement. Maman, je t'écris en pensant que tu sais déjà ce que je vais écrire. Haïr le travail ou l'école, adorer le shit, ce n'est pas la cause du mal, mais celle de vivre. Et là, à la fois, donc, c'est le summum du voyeurisme, quand même, parce qu'on est au cœur des problèmes familiaux de cette mère et de ce fils, mais ça m'a fasciné, ça m'a fait mourir de rire. La mère, elle est hyper émue après la déclaration du fils. Le fils, il n'en a rien à faire. Il dit que, oui, bon, il a déjà entendu ça 1000 fois. Madame. Je suis embarrassée pour répondre. C'est touchant, quand même, ce qu'il m'a écrit. C'est-à-dire que ça me rappelle aussi les rencontres du papotin. Enfin, c'est-à-dire que c'est un mélange de tout ce qui se fait aujourd'hui, mais avec tellement plus d'audace et d'intime. Et forcément que moi, l'intime, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est ce que je mets aussi dans les films que je réalise, dans les films que je vois. Je ne t'agresse pas. Ah, tu m'agresses pas. J'essaie simplement de te dire que ce que tu m'as dit à moi... Ce que t'as cru entendre. Bon, alors ce que j'ai cru entendre... Enfin, excuse-moi. Là, 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 là. Tu me tues, Yvon, tu me tues! Tu me tues! Et quand je te dis que tu me tues, c'est pas seulement une idée. Tu cours après quelque chose, non? On est au cœur de tous leurs problèmes, tout leur intime est révélé sur ce plateau, mis en scène par une espèce de petite mise en scène qui est en plus catastrophique. Enfin, c'est trop. Enfin, ouais, bref, ça. Vive le Psycho, encore une fois. Heureusement que tu es là. Bah, mince, on va être en retard au rendez-vous. Bah, allons-y. Quelle galère. Vraiment, tu dis que des conneries. Mais je t'adore. Et elle, elle est moins chiante que toi. J'adorerais, par exemple, faire un film sur un couple et sur l'intimité d'un couple. J'adore observer en général, mais je trouve que pour le coup, le couple, c'est inobservable parce que tant qu'on n'y est pas, dans le cœur du couple, on ne peut pas savoir. À recréer, je trouve ça très, très dur d'amener des acteurs à cet endroit-là de justesse. C'est finalement très, 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 très dur. Et c'est cet endroit-là de justesse qui m'intéresse vraiment, parce que tout est dit dans leurs rapports familiaux, dans cette émission. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a fait beaucoup rire. Déjà, j'adore Paul Naref, je le trouve sublimissime. Mais au-delà de ça, dans cette interview, je trouve ça... Le journaliste lui demande, il lui dit « t'es pédé ?» Et j'ai trouvé ça dingue. Ça m'a rappelé dans Marinette, le film de Virginie Verrier, où on pose la question de la sexualité à Marinette Pichon à un moment où c'est pas le moment. Et du coup, ça m'a vachement interpellée que ce soit possible, bon, déjà de la formuler comme ça, la question, et de poser cette question à un artiste à cette époque-là. Et que lui soit en train de se justifier. C'est illustré avec la chanson « Je suis un homme ». Vous pensez que vous êtes très intelligent ? Je suis assez intelligent, oui. À quoi vous voyez ça, par exemple ? Par comparaison. Mais disons que j'ai le sentiment d'être plus intelligent que pas mal de gens. J'ai horreur des faux modestes et ça, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Je pense être intelligent. Ceci dit, je peux très bien me tromper. Hein. C'est mon opinion à moi. Hein, toutes ces questions, t'as l'impression que le journaliste, il cherche juste... je sais pas à quel point on était dans le bad buzz à l'époque, mais qui cherche à trouver la petite faiblesse de Paul Naref, à le faire flanfler. Enfin, je détesterais aujourd'hui qu'on me pose cette question-là. Est-ce que t'es intelligente? Est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que t'es pédée? Est-ce que vous avez du talent? Du talent? Beaucoup, oui. Je suis fou de vous. Pourquoi? Les défauts, je suis très égoïste. Et mais comme qualité, je suis très généreux. Alors, ça va. On dit souvent que c'était mieux avant et que c'était génial qu'il n'y ait pas de censure avant, mais en fait, dans ce genre d'interview, c'est très bien qu'aujourd'hui,
les journalistes restent un peu plus à leur place et que tout ne puisse pas se dire. Et après, le reste du documentaire est génial et tout ce qu'on apprend sur Polnareff, mais c'est vraiment ça qui m'avait interpellée. Merci Madeleine.